Salut les jeunes et bienvenue dans une preview, c'est pas un unboxing, on va vous montrer quelque chose qui arrive dans les prochaines collections. Prochaine collection, voilà, les Daybreak N354 de chez Nike, deux coloris, hop, 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 vous voyez. La Daybreak, vous commencez à la connaître, hein, ce modèle rétro running avec, vous voyez, hein, quelque chose qui fonctionne très bien, notamment aussi sur les Puma Future Rider, c'est la semelle qui remonte jusque devant. Une vraie semelle bien rétro avec les petits pics, les petits carrés, vous voyez, et la forme de la Daybreak qui est très, très rétro, elle aussi, très années 80. On est sur un modèle super léger, les flancs sont, hop, vous voyez, perforés et transparents sur ces deux-là. Donc, vous pouvez, si vous mettez une chaussette colorée, elle se verra à travers. On est sur de la languette rétro, ça reprend un peu, vous voyez, comme la blazer, si vous connaissez. On voit la mousse, c'est une mousse apparente. On est sur du N354 de chez Nike, hein, donc c'est ce label qui permet de tester de nouvelles choses. On voit pas mal de choses, donc le branding ici. On a le swoosh ici cousu, intérieur-extérieur. On a aussi donc cette deuxième version colorielle. On retrouve les mêmes détails avec encore un peu plus de couleurs sur celle-là. Toujours les flancs perforés et transparents. L'avant-pied aussi. Alors là, la forme n'est pas top parce que j'ai retiré l'intérieur. Mais vous êtes vraiment sur une forme, vous voyez, bien sympa, bien rétro. On a le N354 là, ici. On a le nubuck ici. Hein, c'est du beau nubuck bien travaillé. Là, on a du vrai cuir, un empiècement cuir aussi sur la languette avec le N354. Et les coutures bien apparentes, bien fluo sur celle-ci. Toujours la languette. Voilà, donc ça, c'est des modèles un peu plus particuliers qui viennent de chez Nike. Ça sera disponible très bientôt sur chaussesport.com et dans une sélection de vos magasins Chaussesport.